Salut tout le monde, alors on a téléchargé le jeu Sims 3 et puis on a mis un petit package dessus, NRAS Master Controller, qui permet de cheater un petit peu sur les Sims 3. Et donc j'ai adopté un petit chaton, tout mignon, tout chou. C'est hein, tout mignon, ouais, il a un casque. Oui, c'est un gladiateur. Donc j'ai voulu le modifier dans le créateur de foyer. Puisque concrètement il a un peu la tête aplatie et son pelage voilà, bref. Comme c'est un petit chaton, je l'ai laissé comme ça, je suis allée directement dans l'onglet race. Et alors quand on clique sur une race, c'est magnifique. Tadam! Ça donne une créature tout droit sortie de chez Sport. Avec les yeux qui se barrent. Le mieux, je crois que c'est Miaou. Douche. Un bonjour sur sa gueule. Et alors le mieux, ça, c'est du le chat. Mieux du mieux. La scottiche. La scottiche. Ah, les yeux qui se barrent quand même. Donc voilà. Oui, vous avez une magnifique queue là qui rentre dans le sol. Concrètement, c'est quoi comme race? Des poils très ébouriffés. C'est pas un chat. Donc voilà, voilà. Là, on peut tester un petit peu avec tout. C'est plutôt pas mal. Cette queue. Ouais, cette queue. Elle est plus con, ils doivent être bien buggés. Un peu magnifique. Et alors, la gueule. Je vous montre un petit truc parce qu'on se dit, ouais, c'est là juste pour le créateur de foyer. Mais si on va dans le jeu, mon petit chat il est là en dessous. Voilà. Wow. Il est exactement pareil dans le jeu. Donc voilà, c'est un joli petit bug. Hein. Et il a l'air de bien s'amuser. Ah, il est content. Il bouge son arrière-train comme je sais pas. Une gazelle dans la savane qui a. Qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement con ce chat. On voit même pas sa tête. Regarde comme il marche. Je suis gracieux. Regarde, okay, tu vois un petit peu les yeux qui ressortent là au niveau du cheval. Ouais. Bon, perso, je suis le mec qui habite dans la maison, mais je me casse en cours. Regarde les yeux. T'as pas Ah, concrètement, là, il est allongé. On a adopté un nouvel animal, je ne sais pas ce que c'est, mais il est bizarre. Il miaule. Ok, donc on a fait la même chose pour les chiens, parce qu'on s'amuse bien. Donc les chiots en l'occurrence. Oui, ils sont vachement mignons. Et après, bah, ça donne un truc complètement horrible. Oh putain. Oh, drôle de chien. C'est mignon. Il est énorme le chien. T'as vu sa queue? Et ses oreilles, putain. Oh, la bouche. Tu as voyé. Oh putain. On a des jolis chiens comme ça. Oh, le bon dalmatien. Celui-là était pas mal. Magnifique. Donc voilà, voilà. Et alors, pour ceux qui ne sauraient pas comment on utilise le NRAS Master Controller, c'est tout simple. Vous faites un clic sur votre personnage, NRAS Master Controller. Vous allez ici dans Avancer et éditer dans CAS. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez modifier votre petit chaton et lui donner une petite gueule sympa. Bien dégueulasse. Bien dégueulasse, voilà. Bon, par contre, une fois que vous avez fait ça, hein, c'est plus possible de lui donner une bonne gueule. Je vous le dis tout de suite. Ah bah si. Ah bah non. On dirait une chèvre. Ah non. Ouf. Oh, les yeux se barrent. Ouais, voilà, non, c'est absolument plus possible de lui donner une bonne gueule. Donc voilà. Bah voilà. Voilà, c'est petite vidéo sympa comme ça. Merci à tous et salut.